Bonsoir à tous. Merci d'être présents ce soir. Merci à ceux qui nous regardent également sur la page Facebook de l'Institut français de Casablanca. Alors, ce soir, on accueille la librairie Livre-moi qui va vous faire une présentation de la rentrée littéraire 2020. Je vous souhaite une bonne écoute. J'espère que ça suscitera de l'inspiration, ça suscitera des envies d'achat et que surtout, ça vous accompagnera dans de très bonnes lectures. Bonne soirée. Merci à vous d'être là. Et merci. Alors, bonsoir à tous. Donc moi, je suis Caroline de la librairie Livre-moi. On est situé Place Ollier, donc à Gautier, tout près d'ici. Et donc, je suis venue avec Mounia, qui est notre responsable de magasin. Faire un choix, ça n'a pas été simple, parce que c'est une très, très belle rentrée littéraire. Environ 700 titres. Alors, déjà, on s'est centré sur les romans. Et puis, on a essayé de faire un choix qui vous présente à la fois les incontournables, les poids lourds de la rentrée, mais aussi quelques petites pépites qui le sont moins et qui nous ont touchés. Alors, on va commencer par présenter les quatre titres qui sont encore sélectionnés pour le Goncourt, les quatre derniers. Donc, L'historiographe du royaume, de Maëlle Renoir, L'anomalie, de Hervé Le Tellier. Ah. Thésée, sa vie nouvelle, de Camille de Toledo, et Les impatientes. Voilà, donc ça, c'est les quatre derniers titres, sachant que les trois, là, mis à part l'historiographe du royaume, sont également sélectionnés pour le concours des lycéens, qui se déroule à peu près en même temps. Ensuite, on va vous présenter deux prix littéraires qui ont déjà été attribués, donc le prix Fémina, Nature humaine, de Jean Cour, et le prix FNAC, c'est d'ailleurs un des tout premiers qui a été donné pour le livre Betty. On ne pouvait pas faire l'impasse sur Yoga d'Emmanuel Carrère, parce que c'est incontestablement le livre qui a fait le buzz de la rentrée littéraire. Donc on s'y arrêtera. On fera une parenthèse maghrébine avec deux très beaux romans. Leïla Lalami, qui est d'origine marocaine, installée aux États-Unis, qui écrit d'ailleurs en anglais, donc c'est un roman qui est traduit, et le Yasmina Radra. Enfin, on terminera par l'incontournable Amine Malouf. Voilà. Alors, on va commencer par incontestablement le best-seller au Maroc, l'historiographe du Maroc. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu ou ont entendu parler. L'auteur est venu à Casablanca au moment de la sortie du livre. Donc le thème, sans vous donner toute l'histoire, c'est Maëlle Renoir se met dans la peau de celui qui va être l'historiographe d'Hassan II à sa cour. Voilà. Ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est que l'auteur mêle en fait l'histoire réelle, des faits historiques. C'est extrêmement documenté pour écrire ce livre, mais aussi de la fiction complète. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un récit historique, on est dans un roman. Alors pour des personnes qui connaissent bien l'histoire, elles vont bien faire la différence. Pour ceux qui sont moins au fait de l'histoire du Maroc, ce qui est mon cas par exemple, ça a été plus complexe de faire la différence entre la réalité et la fiction. Surtout que l'auteur le fait extrêmement habilement, avec un style que j'ai trouvé assez suranné, en fait. Il y a une petite... c'est un peu désuet, la façon dont il s'exprime. Ça va bien avec l'époque qu'il décrit. Donc, c'est une très jolie plume, et c'est... voilà, c'est cette façon de mêler fiction et histoire est extrêmement habile, même si elle peut être pour certains déconcertante. Les premiers lecteurs de la librairie nous ont dit « mais c'est truffé d'erreurs ». C'est de la fiction, c'est un roman. Donc il ne faut vraiment pas le voir comme un roman sur historique du Maroc, il faut le voir comme une fiction. Alors pourquoi, on s'est posé la question, pourquoi est-ce qu'il a touché, parce que tout se passe au Maroc, hein, c'est vraiment, tout se passe à la cour. Pourquoi est-ce que ça a touché autant les Français, par exemple, hein, ou les Belges? Alors je pense que pour les Français,
On a un passé de monarchie. Voilà, et d'ailleurs, Maël Renoir l'explique bien. Lorsqu'au départ, il voulait écrire un livre sur Moulay Ismaël, dont pour lui, le pendant était le roi Soleil. Donc, on a cette histoire de la monarchie avec une fascination sur ce qui se passe dans la cour, sur la grande histoire et sur les petites histoires qui s'y déroulent. Et donc, je pense que c'est pour ça que ce roman a rencontré un public francophone ou en dehors du Maroc, parce qu'il s'intéresse à la monarchie. Voilà. Bonsoir tout le monde. Donc, on passe au deuxième titre, qui est toujours en lice pour le Goncourt et le Goncourt des lycéens, et c'est l'anomalie de Hervé Le Tellier. Donc, moi, personnellement, je me permets de donner mon avis personnel. Pour moi, c'est mon Goncourt, en fait. C'est mon coup de cœur de cette rentrée. C'est un livre qui démarre sur un panorama de personnages autant différents les uns que les autres et sans lien apparent au départ. Et qui, voilà, il y a un événement aussi inattendu qu'inexplicable qui aura lieu, qui va lier tous ces personnages. Donc le bouquin, on découvre trois parties. Donc c'est le début, l'événement, et après la confrontation, on va dire, la présentation et la confrontation. Et voilà, donc sans trop dévoiler l'événement, ce que c'est, mais c'est très délicieux à découvrir. Mais on a un panorama qui est très intéressant de personnages. Et pourquoi est-ce qu'il est si intéressant? Parce que chacun de nous peut se retrouver là-dedans. Surtout la dernière partie où une confrontation, on va dire, qui aura lieu. Et chacun peut se poser les mêmes questions que se posent les personnages. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'à la fois, c'est un thriller, c'est de la science-fiction, c'est de la psychologie, c'est de la philosophie. Donc, on trouve chacun, voilà, pour tous ces univers, chacun y trouve, ce qu'il aime. Ça se passe en 2021. Ça se passe en 2021 et c'est l'histoire. En fait, le point commun entre tous ces personnages, c'est un vol Paris-New York. Un vol Paris-New York et c'est là où l'événement va se passer. C'est là où tout, c'est après cet événement que toute la planète doit faire face. Et on va voir comment est-ce qu'ils vont réagir. Donc, on a une partie de la métaphysique aussi, une partie des religieux qui vont y intervenir, mais toute la planète qui va y intervenir. Et c'est ce qui fait la particularité de ce livre-là. C'est de la science-fiction, mais chacun peut s'y trouver aussi dans différents univers. Il y a même les droits qui ont été achetés pour en faire une série, déjà. Donc, il y a une série qui est prévue. Et aussi, l'intéressant dans cet ouvrage, c'est surtout le panorama des personnages. C'est-à-dire que pour chaque personnage, il y a un genre différent, on va dire. Il y a un genre différent pour chacun des personnages. Donc, quand on passe de personnage à personnage, on repère facilement les personnages quand on passe de l'un à l'autre sur les trois parties du livre. On reconnaît les personnages facilement. Dès qu'on commence le paragraphe, on reconnaît il s'agit de qui. Donc, il est très, très particulier comme roman. Et donc, pour moi, c'est ce qui fait que c'est un peu mon bouquin préféré. On y trouve plusieurs genres. Moi, qui n'aime pas trop la science-fiction, j'y trouve un vrai régal, au fait. Donc, voilà, ça, c'est l'anomalie de Hervé Le Tellier. Je conseille vivement. Voilà pour moi. Alors, on va passer à Thésée, sa vie nouvelle, de Camille de Toledo. Donc là, on est sur un registre qui est douloureux. C'est un homme qui cherche à fuir son passé, qu'il ne veut pas affronter, sa lignée. Il fuit, il quitte Paris, il s'installe dans un autre pays, qui ne parle pas la même langue que lui. Et il va vite se rendre compte que changer de pays, ça ne permet pas de guérir ses blessures intérieures. Il va bien falloir qu'il affronte son passé. C'est un roman qui est extrêmement touchant, très original sur la forme. Déjà, l'auteur s'exprime parfois la première personne, parfois la troisième personne. C'est un peu déconcertant au départ. Il mêle des récits, des poésies, des photos, puisqu'en fait, le personnage en principal a emmené avec lui une boîte d'archives et va puiser dedans pour reconstituer les blessures de sa lignée, en fait. Et donc, c'est exprimé physiquement dans le livre où l'on trouve, on voit les photos, on voit le... Et c'est pas du tout structuré comme un récit habituel, voilà.
Donc je sais que pour certains, ça peut être déconcertant. Je pense que c'est un livre, on l'adore ou on ne rentre pas dedans. Voilà, c'est au départ, c'est cette structure de récit un peu, voilà, qui peut sembler parcellaire, décousue, peu perturbée. C'est vraiment la thèse de l'auteur, c'est que les malheurs de nos ancêtres, finalement, on les retrouve dans nos corps. Voilà. Donc lui, s'il fuit, c'est parce que suite à des drames familiaux, il le ressent physiquement, il somatise avec des vraies maladies. Donc sa thèse, c'est qu'on peut pas, on porte en nous tout un héritage. Sa famille à lui a connu les guerres, a connu des événements douloureux, il y a eu des suicides, il y a eu la maladie, et donc pour lui c'est quelque chose qui va porter en lui, qui va transmettre à ses enfants. C'est un univers qui est plus lourd, qui est merveilleusement bien porté par une plume vraiment magnifique de cet auteur. C'est très très poétique, c'est très 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 beau, mais c'est aussi triste. Voilà, c'est aussi douloureux. Moi, j'ai été surprise que les lycéens l'aient gardé, parce que je trouve que c'était un livre qui était d'un abord plus difficile, mais je pense que c'est tout simplement parce qu'ils ont été touchés par l'histoire de ce Thésée. Voilà. Quand on dit qu'on est touché, c'est le cas aussi pour Les Impatientes de Djali Amadou Amal. Donc c'est pareil, c'est une histoire qui est assez déchirante aussi, c'est assez poignant comme témoignage, vu que c'est tiré d'une histoire vraie, qui est même le vécu de l'auteur. L'histoire, en fait, se passe au nord du Cameroun, chez les Peuls, une population camerounaise, et c'est le récit de trois femmes. Trois femmes qui ont un destin qui est lié, c'est deux sœurs et l'épouse, et la première épouse, en fait, parce qu'on parle là, le livre, il parle surtout de polygamie, de cette population, comment est-ce qu'elle est, gérée par les hommes. Et c'est poignant dans le point où ça parle que les femmes n'ont pas le choix, n'ont pas le destin de leur vie. C'est toujours les hommes qui en décident au nom de la religion, malheureusement, au nom de plusieurs aspects. Donc on suit le récit des trois femmes, chacune parle pour elle. Elles seront forcées à trois mariages dont elles ne veulent pas, elles sont encore très jeunes, des adolescentes, et voilà, on va suivre leurs histoires, chacune comment ça va se terminer, chacune son... Et en fait, le mot qui règne dans ce livre et qu'on trouve c'est le premier mot et c'est le dernier mot, c'est patience. Donc à chaque fois, ce qu'on redit à ces femmes, parce que voilà, quand elles viennent se marier, leur père, il leur donne des recommandations pour la nouvelle vie, et le mot qui se répétait tout le temps, patience. À chaque fois qu'il y a des déboires, à chaque fois qu'il y a des malentendus, ça peut même des violences, des violences en fait, et à chaque fois on sort le mot patience. Donc c'est le mot qu'on trouve partout tout au long du livre. Et voilà, on écrit la relation de chacune de ces femmes avec ce mot-là, patience. Il y en a qui l'acceptent, il y en a qui l'endossent, il y en a qui... L'une d'elles se révolte contre ce terme-là. Et ce qui est frappant aussi, parce que ces femmes-là, elles racontent leur malheur, mais leur malheur aussi, ce qui cause aussi ce malheur-là, c'est aussi cette rivalité entre les femmes elles-mêmes. Donc, à un moment donné, elles se disent que si on était plus solidaire, peut-être qu'on n'aurait pas dû à subir tout ceci. Donc, on découvre un texte qui est très poignant et qui nous donne une idée sur une population qu'on ne connaît pas, sur une culture qu'on ne connaît pas, malheureusement. Mais c'est très touchant comme texte, c'est très, très triste aussi. Mais ça n'empêche que ça reste un... C'est une très belle découverte, vu qu'elle a eu le prix Orange du livre en Afrique en 2019. C'est la première fois qu'il est édité en France. Et je pense que l'autrice, c'est la première fois qu'il est édité en France aussi. Donc oui, c'est une très belle découverte durant ce récit, à travers plutôt ce récit de ces trois femmes qui restent vraiment à découvrir. Voilà. Et il est aussi sur les deux listes, Goncourt et Goncourt des lycéens. Ouais. C'est Les Impatients. Alors, toujours dans les petites pépites, en fait, Betty...
Donc premier, un des premiers livres primés puisqu'il a eu le prix FNAC. Ça, c'est vraiment une révélation pour moi. C'est un roman qui est lumineux. On pleure parce qu'il y a des scènes très très difficiles, mais on est porté par une écriture extrêmement douce, extrêmement ronde, extrêmement poétique. Betty, c'est une petite métisse, donc avec un papa Cherokee, une maman blanche. Et donc, c'est une petite fille, parce qu'en fait, le livre se déroule sur son enfance et son adolescence. On apprend au début, puis ça s'arrête quand elle a une vingtaine d'années. Et c'est une famille de 8 enfants, qui après pas mal d'errances, finit par s'installer dans une petite ville. Alors, je pourrais vous dire, ça parle de racisme. La petite fille, contrairement à ses frères et sœurs, a hérité du teint de son papa. Donc, c'est la petite indienne. Donc on parle de racisme, on parle de pauvreté, on parle de handicap, une famille de 8 enfants avec un frère qui est à part. Il y a de la violence, il y a des viols. Mais même si à chaque fois ces événements sont racontés crûment, donc avec une certaine violence, ce qu'il en ressort, c'est... un formidable roman de vie avec une petite guerrière qui devient adolescente, qui est résiliente et où la vie prend le dessus, où il y a des moments douloureux, mais il y a aussi un papa qui est un merveilleux conteur, qui raconte l'histoire et les mythes Cherokee avec une... Alors c'est vrai que c'est aussi le roman d'une destruction de cette culture, hein, on le sait aux États-Unis. On n'a pas forcément laissé la place à cette culture, la possibilité de se maintenir. Mais c'est un roman de vie. C'est un roman de vie, c'est un roman d'espoir, c'est un roman de résilience, de force, de communion avec la nature aussi. Ça, c'est un thème qui est très cher à l'éditeur. C'est édité par Gallmeister. Pour ceux d'entre vous qui connaissent ces collections-là, ça se situe toujours aux États-Unis, dans les grands espaces, et avec des personnages qui ont un rapport avec la nature extrêmement fort. Et c'est ça aussi qui les porte, et c'est ça aussi qui les fait surmonter les drames de leur vie. Donc ça fait partie des romans qu'on n'a pas envie de finir trop vite. Vous voyez, on étale, surtout à la fin, on ne veut pas quitter ce personnage, on ne veut pas la quitter, Betty. C'est la maman de l'auteur. Donc c'est aussi un hommage qu'elle lui rend. Voilà. Autre prix. Donc Serge Joncourt, Nature humaine. Prix féminin. Donc là aussi, là on reste sur le thème de la nature. C'est un roman très particulier, extrêmement fort, qui nous parle en fait d'une période, de la période 1970 jusqu'aux années 2000. À peu près, 25-30 ans, en France, mais ça aurait pu se passer dans d'autres pays d'Europe. C'est une période, on ne mesure pas à quel point les progrès techniques ont bouleversé la vie des gens, entre 70 et 2000. Ça a été une multitude de progrès techniques, ça a été la mondialisation, donc un changement de paradigme économique. Et ça, l'auteur nous le raconte au travers des yeux d'Alexandre, qui est fermier, paysan, qui a hérité de la ferme familiale, il y a toujours vécu. Ses sœurs, elles, sont parties en ville, font leur vie ailleurs, mais lui va rester, du reste à la ferme, et ben, va voir ce monde paysan complètement se transformer pendant ces 30 années. Moi, ça m'a fait penser au sociologue Mandras, qui parle de la fin, qui dit qu'il y a eu toute une période où on a assisté à la fin de la paysannerie française et à l'essor de l'agriculture. Voilà, donc c'est la fin d'une culture, c'est la fin aussi, c'est une période compliquée, il y a eu beaucoup, sur ces deux périodes, ça démarre, il y a des désastres écologiques, hein, sécheresses, inondations en France extrêmement violentes, c'est la montée des activismes aussi, donc il y a les conflits autour du nucléaire en France, dans les campagnes, c'est aussi là, ça qui est abordé.
Et donc, c'est quelque part la le témoignage de ces 30 ans de progrès techniques qui ont apporté des choses, mais qui en ont détruit d'autres, de cette mondialisation forcenée, de cet urbanisme qui a aussi, qui est sorti du cadre des villes et qui a un petit peu façonné le paysage rural, avec notamment le périurbain, ces successions en France de magasins de bricolage, de supermarchés, etc., de panneaux qui sont sortis des villes et qui ont mangé le territoire rural un petit peu. C'est une agriculture qui est différente, où on ne regarde pas ces arbres pousser, on ne regarde pas ces bêtes grandir, mais on pense aux quotas laitiers, on pense à des ratios économiques beaucoup plus prégnants. Et c'est la désertification des campagnes. Donc c'est une tranche de vie paysanne. Je me suis souvent demandé en le lisant... le Maroc connaît aussi l'exode rural, a encore beaucoup de régions qui sont restées avec un mode de vie très traditionnel, un petit peu en dehors du progrès technique, qui garde une agriculture traditionnelle, qui garde un mode de vie traditionnel. Comment ça se passera? Quel modèle? La France a choisi un modèle et on en voit les limites. Quel modèle choisira le Maroc? C'est aussi, il dénonce la thèse aussi de ce livre, c'est une rupture entre l'homme et la nature. Et l'auteur parle, quand il commence son livre, il dit, j'avais la crainte de cette mondialisation, ces gens, ces marchandises et ces personnes qui vont d'un monde à l'autre, j'avais peur d'un virus qui attaquerait mes bêtes et mes plantes et mes arbres, mes arbustes venus d'ailleurs, et finalement on a été confronté à cette pandémie humaine. Un roman magistral, qui m'a beaucoup touchée. Le buzz maintenant. le buzz de la rentrée, Emmanuel Carrère. Alors, c'est vrai qu'au début, il dit toujours qu'il voulait écrire un livre sur le yoga, un livre assez subtil qu'on aurait pu positionner dans le rayon développement personnel ou dans le rayon spiritualité, puisque il s'intéresse à la foi, ou dans le rayon bien-être. Et en fait, son élan créatif va changer va avoir un tournant parce qu'il va connaître une très, très grave dépression. Donc quand il dit ce livre, il le dit en résumé, c'est un livre sur le yoga et sur la dépression, c'est exactement ça. C'est un vrai livre sur le yoga. C'est-à-dire, si vous rentrez dans ce livre, moi ça m'a un peu décontenancé au départ. Mais alors là, vous allez apprendre plein de trucs sur le yoga, plein de termes techniques, les postures, le matériel, les coussins, les méditations. Les premières pages, c'est un stage de méditation. Donc vous allez apprendre plein de choses. C'est effectivement au départ un livre sur... sur le yoga. Et puis, il y a une deuxième partie qui raconte un certain nombre de difficultés que va rencontrer l'auteur. Il y a des difficultés, même si elles sont dites de façon elliptique, il y a des difficultés conjugales, il y a des difficultés... il y a un environnement qui est pesant, il y a le décès de quelqu'un de proche dans les attentats de Charlie Hebdo, il y a un monde plus difficile, et l'auteur qui pensait... être bien, avoir mis fin à des périodes un peu dépressives, va tomber dans une dépression extrêmement grave, puisque ça va être un internement à l'hôpital Sainte-Anne, qui est spécialisé dans les maladies psychiatriques, et avec des traitements extrêmement lourds et un diagnostic de bipolarité. C'est l'histoire de... c'est pas, d'après l'auteur, un roman complètement autobiographique, c'est une autofiction. Donc ça parle de ce qu'il a vécu, mais c'est aussi romancé. C'est la maladie du siècle,
Voilà, la dépression. Les médecines douces, ce sont les médecines du siècle. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'il a fait le buzz, parce qu'il est sur les deux thématiques qui intéressent et qui nous préoccupent. C'est le roman d'une renaissance personnelle, donc qui se termine bien. Voilà. On passe par au Maghreb. On vient au Maghreb plutôt. Alors, donc là, par la suite, nous avons Le sel de tous les oublis de Yasmina Kadra. Donc Yasmina Kadra, c'est aussi un incontournable de la rentrée littéraire chaque année. Là, il nous revient avec un titre, je dirais, qui parle un peu sur l'espoir, comment garder l'espoir face à différentes expériences de la vie. Donc là, on fait la connaissance de Adam. Adam qui est un instituteur et que sa femme quitte. Donc dès le départ, on voit la première conversation entre lui et sa femme. Et du coup, il est dévasté. Donc il sombre dans le désespoir, dans la dépression. Il décide de quitter son village. Ça se passe juste après l'indépendance en Algérie, dans un petit village en Algérie. Et du coup, il décide de prendre la route en vagabond et partir, ne sachant où. Et du coup, sur sa route, il rencontre des personnages... pas mal de personnages, là il les cite, il y a un musicien, il y a un nain, il y a un psychiatre, il les rencontre, et ce sont des personnalités ou des personnages qui sont à la marge de la société. Et malgré tout, on découvre que ces personnages-là, malgré leur déboire, malgré tout leur vécu et le désespoir dans lequel ils vivent, ils gardent quand même, je dis c'est contradictoire un peu dans le désespoir, mais ils gardent quand même une petite lueur d'espoir, c'est-à-dire ils ne perdent pas tous les moyens, malgré leur état, ils gardent toujours un espoir en l'avenir. Ils essayent de lui transmettre ceci, comme quoi, oui, ta femme t'a quitté, tu es dévasté, mais ils essayent de lui dire que c'est peut-être pas la fin, c'est peut-être le départ, c'est peut-être le début, il faut savoir dompter ses démons pour pouvoir avancer, mais lui, tout en avançant, il sombre dans son désespoir et c'est comme s'il veut pas, en fait, il veut pas les écouter, il veut pas les... Et du coup, on essaie de découvrir comment il va faire face à ces personnages qui vont essayer de lui apporter beaucoup de leur personne. Et c'est là où on voit comment ça va se finir l'histoire. Ça, c'est une fin assez inattendue. Mais voilà, c'est un livre sur l'espoir aussi, mais pas que, c'est aussi sur la place de la femme dans le couple, parce que pour lui, il prenait sa femme ou son couple comme étant acquis, quelque chose d'acquis. Donc le jour où il le quitte, c'est là où il se remet en question. D'où est-ce que ça a démarré, tout. Et oui, c'est sincèrement parmi les bouquins de Yasmina Kadra qui interpelle, au fait. Voilà, c'est Le sel de tous les oublis. Alors, Leïla, Lalami, Les autres Américains. Donc, comme on le disait en introduction, en fait, au départ, c'est un livre écrit en anglais. Hein. Donc là, on est sur une traduction. Il a d'abord été publié en France chez Belfond, je crois. Et puis, le Fennec a racheté les droits pour le Maroc. Belfond, je ne suis pas sûre. Mais bon, je sais. Voilà. Donc là, on est aux États-Unis, époque contemporaine. On plonge dans une famille en fait d'origine marocaine, extrêmement bien intégrée, voilà, qui a réussi sa migration et qui s'est construit une vie confortable aux États-Unis. Et puis le père de famille va être fauché par une voiture, et donc on ne sait pas si c'est un accident ou si c'est un meurtre. Et en fait, l'enquête qui est faite pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer, va donner la voix, en fait, à la fois aux membres de la famille et puis à d'autres personnes de la ville dans laquelle ils vivent, à l'enquêtrice, à un Mexicain qui a assisté à l'accident mais qui ne veut rien dire parce qu'il n'a pas de papier, il a peur que ça lui retombe dessus, etc. Et donc, chaque personnage va raconter son histoire. Il y a des concordances, il y a des contradictions. Et surtout, ce livre va mettre, cette enquête va mettre, et ces différentes voix qui s'expriment dans cette petite communauté,
vont mettre à jour les tensions communautaires, en fait, qui existent. Et on sent bien que pour l'auteur, l'intégration américaine est dans certains cas un leurre, et qu'en fait, on a des communautés qui cohabitent, qui coexistent avec beaucoup de tensions. Et malheureusement, les événements des derniers mois aux États-Unis lui ont plutôt donné raison. Voilà, donc moi, c'est une auteure que je ne connaissais pas. En fait, on l'a découvert parce que elle est sortie en anglais, en fait, aux États-Unis avant. Elle a été sélectionnée pour un certain nombre de prix. Et elle était très commandée sur notre site internet en anglais. On se disait, mais tiens, c'est quoi aux heures américaines, pourquoi est-ce que tout le monde nous commande ça? Et en fait, ben, on a compris que voilà, c'est la première fois qu'elle est traduite. Elle avait écrit d'autres ouvrages, je crois, qui ne sont pas encore traduits. Mais voilà, c'est une découverte. Ça fait du bien parce que on aime bien voir que la scène littéraire marocaine se renouvelle, et donc ça fait du bien d'avoir ce type de publication. Et on finit par l'incontournable Amin Maalouf. Donc Amin Maalouf, pour cette rentrée, c'est nous avons nos frères inattendus. Et effectivement, on découvre qu'ils sont nos frères inattendus dans le livre. Alors, c'est un livre de science-fiction, si je vais dire. Ça rejoint un peu l'anomalie sur cette idée de fait inattendu. Donc, nous avons l'histoire d'un dessinateur qui vit presque isolé, seul dans une île, avec une romancière, Eve. Et donc là, il y a une tempête qui surgit. Et le lendemain, plus aucun moyen de communication. Donc, ni réseau, ni internet, ni radio. Et ils essayent de comprendre ce qui se passe. Et donc là où surgit, il le dit, un passeur qu'il rencontre, et il découvre que cet homme-là, il vient d'un monde parallèle. Donc nos frères inattendus de qui il parle, c'est que c'est des humains que nous ne connaissons pas, mais qui vivent dans un monde parallèle, qui n'interviennent pas dans notre monde, mais qui interviennent juste dans le cas de cataclysme, de catastrophe, c'est-à-dire soit une guerre nucléaire ou une pandémie, où ils essayent de remettre les choses en ordre. Donc c'est le seul cas où ils réagissent. Donc là, Amin Maalouf, il se pose la question sur nous humains, nos capacités comme étant humains à gérer nos conflits. Il parle aussi, il revient un peu sur son livre, l'idée de son livre, le naufrage des civilisations. Et il essaie d'expliquer... Et là, c'est là où il rejoint l'anomalie. Est-ce que nous ne vivons pas dans un monde de simulation, en fin de compte? Donc, est-ce que nos actes, autant qu'individus, qu'État et que politiciens, surtout, c'est là qu'il intervient, est-ce qu'on est capable de s'autogérer, ou on a besoin vraiment d'une intervention externe, d'un monde parallèle, comme il le décrit, pour pouvoir nous remettre à la raison? Donc Amin Maalouf, c'est très intéressant, c'est aussi une histoire d'amour entre le dessinateur, je me remémore le mot, Alec et Eve, mais c'est aussi cette question qu'on se pose sur l'un et l'autre, et sur notre capacité à co-vivre ensemble, à vivre ensemble, entre nous, entre civilisations, entre gouvernements, et voilà. Donc c'est nos frères inattendus d'Amin Maalouf. Voilà, on a fini ce petit tour d'horizon. On espère avoir réussi à partager avec vous nos passions et nos coups de cœur. Voilà. Merci beaucoup. Quand vous êtes au carrefour boulevard Anfa, boulevard Zerktouni, vous prenez boulevard d'Anfa vers le centre-ville, vous avez tout de suite à votre droite l'hôtel Barcelo. L'ancien, pas le tout nouveau, l'ancien Barcelo. C'est la deuxième petite rue, à droite. Elle part vers la place où vous avez le coiffeur Nour, vous voyez ? Voilà. Est-ce que dans la sélection que vous avez présentée, mis à part l'anomalie pour vous, Caroline, est-ce que vous avez un coup de cœur au-dessus de tous les autres? Deux. Non, celui-ci, oui. Betty quand même. Ouais.
Betty. Et c'est vrai que le... peut-être parce que ça m'a rappelé, parce que ça fait écho à des choses personnelles et à des choses de ma lignée, de ma généalogie personnelle, le Camille de Toledo m'a aussi touchée. Donc, voilà. Et si on peut rajouter un autre livre, vous avez peut-être une proposition d'un livre marocain, écrit par un auteur marocain et édité au Maroc. Vous avez un livre en tête ? Pardon, je vous ai pas. Et si on peut avoir un autre livre ? Ouais. Si on peut rajouter un autre, si vous pouvez rajouter un autre livre d'un auteur marocain édité au Maroc et un auteur vivant au Maroc, proposition. Je dirais pourvu qu'il soit de bonne humeur, exactement. Ouais. Pardon ? Si, il est tout récent, mars, oui. Bah, en mars, mais au Maroc, le rythme est un petit peu décalé, en fait. Vous savez, c'est-à-dire que traditionnellement, la plupart des romans, ils laissent passer la rentrée importée, entre guillemets. Et on a en général beaucoup de romans qui paraissent plutôt en fin d'année, voire début d'année, qui trouvent leur médiatisation au Salon du Livre en février. Donc souvent, c'est un petit peu décalé. Et puis, c'est vrai aussi que les... compte tenu du confinement qu'il y a eu, etc., les auteurs marocains n'ont pas forcément pu trouver et eu la médiatisation suffisante en étant sortis en mars ou en avril, et que donc on est sur une médiatisation qui prend un petit peu plus de temps. Il y a beaucoup d'essais, en revanche, qui sortent aujourd'hui. Mais là, on avait choisi de se centrer sur plutôt les romans. Bah, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là et peut-être passer à des achats, si vous le souhaitez. La sélection est ici, vous pouvez jeter un œil. Je vous remercie encore infiniment pour cette présentation. Merci à vous, c'était excellent, ça m'a donné plein d'envie. Alors peut-être une prochaine fois, merci beaucoup. D'ailleurs, une prochaine fois aussi, excusez-moi. Il y a une prochaine fois, effectivement. Vous venez au mois de décembre. Le 18 décembre, il y aura une nouvelle présentation pour de la bande dessinée cette fois-ci. Donc vous êtes les bienvenus. À très bientôt. Merci beaucoup.